It's the end of November, and here in the Finnish Lapland, the winter season begins. For this video, I came to visit a French family-owned business, Primitive Adventure. I had a chance to interact with their dogs, have my first sleigh ride, and even to drive the sleigh myself. This video is mostly in French with English subtitles. C'est déjà la fin du novembre ici à Ivalo et on peut voir que le lac s'est déjà glacé et on va faire une balade entraînant aux chiens, ça va être ma première fois. Pourquoi et quand vous avez commencé votre business? Alors, Primitive Aventure est né en 2016. Donc, c'est une entreprise familiale finlandaise, gérée du coup par un couple de Français, donc moi-même Augustin et ma compagne Laetitia, et avec nos deux petits garçons, Kylian et Edwin, et nous attendons notre petite fille pour le mois de mars prochain. On est venu s'installer en Laponie par amour pour nos chiens, parce que du coup nous sommes avec une race en voie d'extinction qui s'appelle les chiens de Taïmyr. Et on voulait leur offrir le climat le plus proche de leurs origines, parce que la péninsule de Taïmyr est une terre située au milieu de la Sibérie. Et donc on voulait apporter un climat froid et sec pour nos chiens. On est tombé totalement en amour en fait avec ces chiens qui sont pour nous des chiens d'exception, des chiens d'école parfaits et qui ont aussi un patrimoine génétique important à conserver. Et tu me disais avant que des gens qui viennent ici, ils restent pendant plusieurs de temps, une semaine, on peut rester? Oui, c'est ça. Nos séjours durent 8 jours, 7 nuits. D'accord. Et c'est du samedi au samedi. Ah, qu'est-ce qu'il fait pendant ces temps? Alors, dépendamment des différents séjours qu'on a, donc on a les séjours familiaux et les séjours de polyactivité, où du coup on va avoir du chien de traîneau, de la canie randonnée, on va découvrir la culture sami, on va faire du ski, de la raquette et découvrir la pêche blanche. Vraiment différent à Primitive Aventure, c'est que nos chiens, comme beaucoup d'autres éleveurs, je l'espère, font partie intégrante de notre famille. Et on a une éducation spéciale aussi avec nos chiens, c'est que nous, on demande aussi à ce que nos chiens soient assis et au calme avant de démarrer l'activité, ou également avant qu'on donne chaque repas. Donc en fait, on est vraiment dans une ambiance sereine qu'est la Laponie, on est englobé vraiment là-dedans et on n'aura pas cette nuisance sonore sur des moments clés. Et attendre notre ordre pour pouvoir partir, ouais. Ça nous permet de pouvoir garder des traîneaux non attachés sur la glace parce qu'on a confiance en nos chiens et qui attendent le départ. Qu'est-ce que c'est la chose que tu aimes le plus de ton travail ici? C'est être sur les lacs gelés en traîneau. Ah ouais. C'est génial et former une équipe avec les chiens. Ah ouais. Tu viens d'où en France? Je viens du sud, pas très loin de Marseille, vers Avignon. Ah, ça fait trop chaud là! Oui, alors, ça fait très très chaud. Et tu fais ici quoi? C'est pas trop froid pour toi? Non, non, on s'habitue. Et il n'y a pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Ok, c'est ça! Bien dans l'arrière. Encore un peu. Voilà, t'appuies, tu pars, on est sur lequel tu peux t'appuyer. Tu veux qu'on déraille? Par contre, tu ne sors pas les bras. Ah, tu d'accord. Comme tu veux, comme ça. Comme ça? Et non, comme ça. Wouh! Voilà, et puis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok. Je suis prête. Il y a le conducteur là en haut. Coucou. Et les chiens? C'est les nez, ça dit. Hey, il y a plusieurs de chiens là. Wow. On demande à ce que chaque chien soit calme avant de partir. Comment tu trouves ça? C'est froid, mais c'est très bien! Je pense que c'est arrêté, ouais.
Alors Rochera, on va commencer la conduite. Donc ton traîneau, il est là. Tu as devant toi le guidon et les freins. Voilà, et les deux patins. Voilà. J'avais peur que je vais pas avoir contrôle, mais quand je voilà déjà quelques mètres, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres, c'est devenu mieux et c'est devenu plus facile et plus contrôlé. Et à la fin, j'avais pas besoin de freine. Hein? T'as vu? Ah, j'ai vu, je valide. Bon chien, vraiment. Et même eux, je pense qu'ils ont senti que j'avais peur et ils ne sentaient pas aller trop vite. En fait. Ouais, tout à fait, nos chiens, ils s'adaptent en fait. Le premier début, le départ, c'est toujours le plus difficile. Ouais. Et après, ils jaugent la personne ouais. Et puis ils s'adaptent. Ouais, vraiment, à la fin, je me sentis vraiment connectée quoi, avec les chiens. It was a very special experience to feel connected with these dogs, especially towards the end of driving the sled. Nature always finds a way to reach us and surprise us by its genuine simplicity and purity.